Once there was a frog who met a monkey boy. When they ran as a pal, they were to get along. Bonjour Plume. Alors vous serez en concert le 18 décembre pour la soirée Woman on Stage au Sunset à Nice. Qu'est-ce que vous allez présenter ? En fait, on va présenter les nouvelles chansons du second album. On sera en trio avec Cédric Loire à la trompette et à la basse et Eric Bruno aux percussions et à la batterie. Vous pouvez un peu nous présenter votre univers onirique, c'est ça ? Oui, en fait, on a essayé de définir ça comme pop world onirique parce que les thèmes abordés sont ont trait au rêve et à tout ce qui est un peu irréel. C'est pas de la chanson réaliste, mais plutôt irréaliste. Et donc ça, c'est pour les thèmes. Mais après, pour le style, c'est passé du jazz swing à quelque chose de beaucoup plus tribal world avec des boucles, des choses répétitives et il y a du piano, il y a de la guitare, il y a plusieurs instruments comme ça qui sont greffés. Et voilà, on a glané à droite, à gauche des influences. On est parti en Afrique l'an dernier et en Amérique du Sud. Ce qui a fait voilà, que le projet s'est enrichi de nouvelles sonorités, de nouvelles langues aussi dans l'album. On chante en espagnol, en italien, en croate et en anglais, en français. Il y a un peu un mélange comme ça. Votre répertoire, Plume, c'est surtout des créations ou vous faites aussi des reprises ? Bah là, ça va être que de la composition, ça va être que des compos. Mais après, on joue des reprises aussi dans des piano-bars dans la région. Mais sinon, quand on fait des concerts comme ça, c'est compos. Alors, vous venez tout juste d'être maman, à peine un mois. Est-ce que ça a changé votre vie et votre façon de jouer, surtout ? Bah ouais, je disais que dans la façon de jouer, dans le plaisir que je prends en tout cas à interpréter des chansons, que ce soit mes compos ou des standards, hein, ça change pas. Je prends 10 fois plus de plaisir à jouer maintenant, je sais pas pourquoi, mais j'ai joué dans un piano bar il y a 15 jours et j'avais un plaisir fou à mettre les mains sur le piano, à chanter. J'avais l'impression, bon, en plus elle était là et elle s'est tenue tranquille tout le temps, j'avais l'impression que je chantais pour elle. Je sais pas, la vie depuis un mois a plus de saveur, plus de couleurs. Et du coup, la musique aussi a plus d'intensité là. Plume, merci beaucoup. Merci à toi. Et rendez-vous le 18 décembre pour la soirée Woman on Stage. C'est au Sunset à Nice. Merci.